Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Évangile de Luc, le huitième chapitre, et nous allons apprendre une des choses les plus importantes que vous pouvez saisir dans votre vie chrétienne comment toucher Dieu. Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Nous sommes dans Luc chapitre 8 et notre thème aujourd'hui Qui m'a touché Dans Luc chapitre 8. Euh, comment toucher Dieu. Jésus pose la question dans Luc chapitre 8 au verset 43, il y avait une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait tout dépensé son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord de, du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et Jésus lui dit, il pose la question, qui m'a touché Être touché de Dieu fait partie du langage et de l'expérience d'un grand nombre de chrétiens. Mais ici, nous parlons d'un next level. Nous parlons ici d'une autre dimension où, un, où il n'y a, a pas un iota de fatalisme ou de est-ce que je vais être touché Ça fait longtemps que je n'ai pas été touché. Qu'est-ce qui m'a touché euh, Est-ce que je vais être touché à nouveau Non, c'est une femme et un homme de, de, des milieux complètement différents, mais qui viennent avec des arrière-plans complètement différents, mais qui ont une intersection surnaturelle. D'une rencontre avec Jésus vont nous apprendre des clés pour non seulement de béatement attendre d'être touché, mais comment nous pouvons-nous toucher Dieu, toucher Jésus et activer, recevoir de lui surnaturellement. Jésus a posé la question Qui m'a touché Et toucher Dieu dans Luc chapitre 8, c'est premièrement s'attendre à lui et admettre notre besoin. Le texte commence au verset 40. À son retour, Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient. C'est une attente, c'est s'attendre à Dieu. Et voici, il vint un homme nommé Jarius, il était chef de la synagogue, il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il y avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait et pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Toucher Dieu, c'est s'attendre à lui et c'est admettre notre besoin Jarius est un chef de la synagogue nous connaissons le contexte culturel de l'époque où les pharisiens les chefs les, les membres de la synagogue mais les chefs de la synagogue en particulier étaient reconnus pour leur stoïcisme euh, josephus flavius l'historien donne des, des extraits des exemples des témoignages de l'époque de, de, de pharisiens, par exemple, qui avait vu sa, sa maison entière, un incendie un brûlé avec sa famille et qui est resté, et avait comme une espèce d'étrange et morbide fierté, était resté de marbre. Leur religion était une de, de froideur, de dureté, où, il y a, où, il y avait une, où tout était façade, tout était le masque, tout était le paraître. Mais jarius arrive à un moment dans sa vie où il, doit, où il jette, où il met de côté où il met de côté orgueil, ce que j'ai l'air, ce que le monde pense de moi, le, le côté purement théologique, intellectuel, le côté statique, le côté rituel. Et c'est assez, assez émouvant. Ce, ce, ce chef de la synagogue se jette à ses pieds en le suppliant, j'ai une fille qui a besoin de guérison, je t'en supplie, viens entrer dans ma maison. Et ça, c'est l'étape numéro un pour toi, pour moi, pour toucher Dieu. C'est enlever le masque, c'est jeter les murs par terre, c'est arrêter de prétendre, arrêter de t'emmurer te, te, dans une façade de, de, de christianisme extérieur et superficiel. C'est baisser la garde et c'est se jeter à ses pieds. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je, je t'en supplie. Viens dans la maison de mon cœur, viens dans mon couple, viens dans ma famille, viens dans mon mariage, viens dans mes enfants, viens dans ma vie. Et la question, c'est ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas fait Combien de temps que vous n'avez pas simplement crié à Dieu on a, on a eu un temps de, de jeûne et de prière récemment, puis il y avait des gens, des nouveaux leaders qui étaient là pour la première fois, qui avaient avait suivi une nouvelle vie de l'extérieur depuis des années, à écouter les prédications et. Euh, était inscrit à notre institut de théologie et commençait à s'impliquer avec nous. C'était une première fois qu'ils connaissait notre ministère public, première fois qu'on priait ensemble de cette façon-là dans un temps de jeûne et prière. Et un m'a écrit un courriel pour me dire Je, avais, je vous avais jamais imaginé criant comme ça à Dieu, avec autant d'émotion, avec autant d'abandon, avec autant de. Euh, et la, 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 le jeune homme m'a écrit à, comme, comme un enfant qui crie à son père. Comme, et et, et laissez-moi vous dire que derrière tout ministère qui est. Où Dieu agit, où Dieu touche des vies, il y a quelqu'un qui a appris à s'attendre à Dieu, mais à simplement admettre notre besoin devant lui. Admettre notre faiblesse, admettre notre péché, admettre notre manquement, notre sécheresse, admettre euh, notre, notre agitation de cœur. Il, il, la, la foule s'attendait à lui et Jarius se prosterne à ses pieds. Toucher Dieu, c'est s'attendre à lui et admettre notre besoin. Toucher Dieu, c'est aussi. Bien plus que simplement s'approcher. On peut venir à l'église à tous les dimanches et ne pas vraiment toucher Dieu. On peut s'approcher de la parole, on peut s'approcher euh, du Seigneur de bien des façons, mais il y a plus que cela pour, euh, pour euh, euh, toucher Dieu. Nous lisons que cette femme avait une perte de sang depuis 12 ans et euh, elle s'approcha. Le texte nous dit au verset 44 de l'évangile de Luc 8, « Elle s'approcha et toucha le bord de son vêtement. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Jésus dit, « Qui m'a touché? » Comme ceux qui s'en défendaient, comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis qui m'a touché Mais Jésus répondit Quelqu'un m'a touché. Il y a une différence entre être en contact avec Jésus et toucher le Seigneur, toucher Jésus, parce que j'ai connu, je sais quelqu'un m'a touché. Verset 46. Parce que j'ai connu, j'ai ressenti qu'une force surnaturelle était sortie de moi. La femme, se voyant alors découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'instant. Et Jésus lui dit Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Toucher Dieu, c'est plus que simplement s'approcher c'est se faire un chemin à travers la foule. Et l'évangile de Matthieu nous dit, le, nous commente le même événement, Matthieu 9, 21, en disant Car elle se disait en elle-même Si je puis seulement le toucher, « Je serai guéri. » Ce n'est pas seulement s'approcher, mais c'est se faire ce chemin à travers la foule. Vous comprenez qu'en selon les, les coutumes, les urs et coutumes de l'époque, les lois religieuses, de l'époque, pharisienique et autres de l'époque, il y avait des villes hors de la ville où euh, celui qui était diagnostiqué avec la lèpre, celui qui avait été euh, criminel, celui, il y avait des gens qui étaient mis hors de la communauté et elle, en tant que femme qui avait des de sang, le Lévitique m'a euh, avertie et, et elle était hors. Vous pouvez l'imaginer pendant 12 ans est arrachée à sa famille, aux siens, à tous. Elle ne peut pas descendre dans la ville. Il y a même des commentateurs qui parlent qu'il y avait des gardiens de la ville avec une espèce de cloche que lorsque quelqu'un euh, qui était de l'extérieur parmi ces euh, rejetés, ces impurs s'approchait de la ville, sonnait la cloche pour dire impur, impur. Vous pouvez imaginer. Il y a une raison pour laquelle, se voyant découverte, elle était toute tremblante. Elle a dû se faire un chemin à travers la foule. C'est pas seulement de s'approcher. Elle a dû se faire un chemin, peut-être sous les colibets et sous les cris de ceux qui disaient ⁇ Impurs ⁇ Et elle se fait un chemin parce qu'elle se disait ⁇ Si je peux seulement le toucher ⁇ Toucher Dieu, c'est plus qu'être en contact avec, c'est plus que s'approcher, quelle que soit la foule. La foule qui se tient entre nous et Jésus peut être notre orgueil, peut être des gens autour de nous, euh, peut être euh, un découragement, peut être une paresse spirituelle, peut être un certain distancement, un éloignement, Quel que soit, peut être une habitude que nous avons, que, que, que je, je suis accroché, c'est une dépendance. Et, et Je, je, je m'approche, il y a plein de gens qui s'approchent, viennent au concert de Noël, la nouvelle vie, entendre la parole, sont, sont là, suivent en ligne, mais jamais ne, ne touchent le surnaturel, parce que jamais ne, ne se font chemin à travers la foule. Aujourd'hui... Toucher Dieu, c'est s'attendre à lui et admet ton besoin et c'est faire ton chemin à travers ce qui t'empêcherait aujourd'hui. Fais ton chemin. Dis-toi dans ton cœur, je m'en vais, toucher Dieu. Il n'y a rien qui va m'empêcher de recevoir de lui. Et la dernière, la dernière euh, notion, on la regarde dans un instant parce qu'au moment où elle est guérie, tout le monde est dans la joie. C'est un, un témoignage. Elle est en train de donner son témoignage devant toute la foule et toute la foule est dans l'allégresse, excepté une personne, Jarius parce que le verset 49 nous dit pendant qu'il parlait encore il survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant ta fille est morte n'importe plus le maître mais jésus ayant entendu cela lui dit au chef de la synagogue ne crains pas crois seulement et elle sera sauvée au verset 52 ne pleurez pas elle n'est pas morte mais elle dort et il se moquait de lui mais il la saisit par la main et lui dit lève-toi enfant enfant lève-toi et son esprit revint en elle à l'instant et elle se leva. Toucher Dieu, c'est s'attendre à lui et admettre notre besoin. C'est plus que simplement s'approcher. Je vais me faire un chemin à travers la foule, quel que soit ce qui m'empêche. Je veux le toucher. Je ne laisserai pas aller tant que je ne l'aurai pas touché. Et c'est aussi s'attacher, s'accrocher à sa parole, à sa perspective et fixer notre attention sur lui. Fixer notre attention sur lui seul. Pendant que Jarius assiste, parfois les endroits les plus inconfortables, et les plus douloureux, c'est d'écouter les témoignages de guérison, de victoire, de provision des autres, alors que notre situation semble empirer. Et c'est ce qui arrive avec Jairus, alors qu'il est venu à Jésus, sa fille était mourante. Et alors qu'il... Je t'en prie, viens, viens vers ma maison, et alors que Jésus est en route. Et alors que cette femme euh, euh, le touche, et toute cette euh, ébullition, ce témoignage, on vient lui annoncer cette douche glaciale sur son âme. N'importe une ne plus le mettre, c'est trop tard. Elle était mourante, elle est morte maintenant. Et Jésus entend cela et lui dit crois seulement et elle sera sauvée. Elle n'est pas morte, elle dort. Et, et Jérius a un choix à faire comme toi et moi. J'ai le choix, nous avons le choix. Toucher Dieu, c'est s'attacher à sa parole, à sa perspective fixer mon attention sur lui. Un des plus grands golfeurs, sinon le plus grand golfeur de tous les temps, euh, Tiger Woods était reconnu pour ce geste que, que maintenant des milliers de golfeurs, pas avec les mêmes résultats, imitent partout à travers le monde. Il était tout jeune, il y avait des foules de, de 50, 70, 000, 100 000 personnes sur, euh, avec les caméras du monde entier fixées sur un dernier pote pour gagner le tournoi des maîtres, par exemple. Et il avait l'habitude de simplement, il faisait, exact, il faisait comme ça, ce geste comme si je me coupe de tout ce qui est autour et mon attention est fixée sur un seul objectif. Dans le combat de la foi, lorsque tu veux toucher Dieu, il va y avoir des saisons où tu dois choisir sur quoi tu mets ton attention. Sur ceux qui pleurent, sur ceux qui se moquent, sur ceux qui ont abandonné, sur ceux qui délaissent, sur les circonstances, sur l'œil humain, sur la, ce que tu vois avec tes yeux visibles, où je fixe. Mon âme, mon cœur, mon attention sur ses promesses, sur ce qu'il a promis, sur sa perspective. Lorsqu'il dit, elle n'est pas morte et elle dort, c'est qu'il est celui qui est la résurrection et la vie. Il ne regarde pas ta situation comme tu la vois. Il ne regarde pas la personne près de toi pour qui tu pries depuis si longtemps comme tu la vois. Alors nous sommes ici aujourd'hui, nous disons, Seigneur, nous voulons non seulement attendre un jour d'être touchés, nous voulons te toucher. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, pour nos besoins, nous voulons te toucher. Nous venons, comme Jarius, nous nous jetons à tes pieds et nous disons, viens visiter ma maison. Nous fixons, Seigneur, nos regards sur toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes là en ta présence et nous faisons plus que simplement nous approcher. Il y a quelque chose dans notre cœur qui dit, quelle que soit la foule qui me retenait, je me fais un chemin à travers la foule aujourd'hui. Je veux m'approcher, plus que m'approcher, je veux m'attacher à toi, plus que simplement m'approcher. Je dis dans mon cœur, je vais te toucher, je vais toucher à ta présence, je vais toucher à ton onction, je vais toucher à ton amour, je vais toucher à ton cœur. Et Seigneur Dieu, mon attention est fixée, non pas sur les circonstances, sur les voix qui sont autour, sur ce que les gens disent de ma situation, ou ce que moi je vois avec mes limitations humaines. Mes yeux sont fixés, mon attention est fixé sur tes promesses, sur qui tu es. Seigneur, je vais, nous allons te toucher et recevoir de toi dans le nom de Jésus. Amen.